Salut à tous, c'est Benjamin. Donc c'est lundi après-midi. Donc pour continuer, pour démarrer la semaine, pardon, j'ai commencé aujourd'hui par atteler notre joli enrouleur de fil. Parce qu'on l'avait dételé, on avait dételé la remorque, on avait mis le dérouleur qui est complètement là-bas posé sur la plateforme. Et là, j'ai rattelé l'enrouleur de fil. Donc l'enrouleur de fil, comme vous a montré la semaine dernière, Émilie, donc il est là. C'est un enrouleur de fil maison, bien sûr. Donc vous voyez. La bobine, on attache le fil ici, hop, ici sur la barre. L'enroulement tourne, ça enroule les fils et ensuite on ouvre. On a un distributeur avec un vérin qui est ici, pardon, qui pousse ça et qui ouvre et qui fait tomber la bobine par en bas. Donc on décroche cet axe, la bobine tombe par terre dans la remorque et on met la bobine ici. Je vous la montrerai en fonctionnement comme il faut dans une prochaine vidéo. C'est promis. Ensuite, j'ai le fend ici, le 209 qui est dételé. Parce que en fait, tout simplement, j'avais les cutibio, les disques cutibio de brancher d'atteler dessus. Donc les cutibio sont remisés, donc ils sont ici remisés tranquillement au chaud. Voilà, ils sont pas super propres, mais bon, en tout cas, ils sont au chaud et surtout à l'abri de l'eau. Et ensuite, je vais chercher les Kivogne, l'autre paire de disques que nous avons, qui eux n'ont pas de rouleau, chez mon voisin qui les avait testés. Voilà. Donc voilà, donc, ben, comme vous pouvez le constater, ensuite j'ai tout le monde à la vigne qui sont en train de détacher les goutte à goutte pour ensuite les remonter, donc continuer à tirer les fils de la vigne et remonter les goutte à goutte à la bonne hauteur. Donc faire et défaire, comme on vous disait la semaine dernière, c'est toujours travailler. Pour faire suite, voilà, c'est tout. La semaine commence comme ça. Là, j'ai une petite bricole à ressouder sur l'enrouleur de fil et puis voilà, la journée sera finie. Allez, bon, en tout cas, bonne semaine à vous et puis à une prochaine vidéo.